with one way. Oh, 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 oh. Salut, je m'appelle Baptiste Pivin, j'ai 18 ans, vous venez de voir ma dernière vidéo de trotte et là je vais vous raconter mon histoire. Alors j'ai commencé la trotte en 2009, il y a 6 ans, avec une team de copains. On était la Ghana Scooter, on allait de skatepark en skatepark, on s'amusait bien. De plus en plus de monde vivait la même passion que nous. On ridait, on se donnait à fond, on a fait des contests, plein de vidéos. On s'amusait, c'était vraiment notre passion. Dès qu'on avait un peu de temps, on allait toujours au skatepark, tous les week-ends, presque tous les soirs. C'était notre deuxième maison, c'était tout un mode de vie. Et à force de faire trop de trottes, sans se protéger, je me suis fait énormément d'entorses. Donc entorse sur entorse, ça donne deux plâtres, deux opérations. Je me suis arraché les ligaments à force de ne pas réussir à guérir mes entorses. Donc à force de repousser nos limites, comme dans tous les sports de glisse, tous les sports extrêmes, on veut arriver toujours au meilleur niveau, se donner le plus possible, et ben les accidents arrivent. Pour moi, c'était des entorses à répétition, mal soignées, et qui dit entorse dit ligament en chaos. Donc je me suis arraché les ligaments des deux côtés, et je faisais toujours pas soigner, donc petit à petit ça se désagrégeait encore plus vite, ça me faisait mal, c'était plus supportable. Donc on a décidé l'opération avec mon chirurgien. Il me reste encore 45 jours de plâtre, ça fait déjà 2 semaines. Puis après il y a toute la rééducation pour pouvoir marcher, courir, et dû à ça, ben, je pense arrêter la trotte. Je ne regrette pas du tout ces années. J'ai vraiment adoré, j'ai passé des super moments, c'était mon mode de vie, rider toute la semaine, le week-end, le soir. Je me suis fait énormément de copains, comme Max Mori, actuellement mon producteur, Géométrique Production, et tous les autres membres de ma team, Ghana Scooter, comme Quentin Léger, Thomas Marchado, Romain Vidil, Igor Faton. J'espère que j'en oublie pas. Il me semble que non. Donc gros big up à vous. Ridez pour moi si vous avez encore envie de rouler. Parce que moi, pour moi, c'est la fin. Je ne peux plus rouler. Je ne pourrai plus jamais faire de trotte. Même si j'en ai encore envie. Peut-être que je ferai une session pour réessayer de temps en temps. Mais je pense pas. Déjà, ça m'a servi de leçon. Les opérations, le fauteuil, c'est vraiment compliqué. Donc pour ceux qui m'écoutent, protégez-vous. Faites attention à vous. C'est vraiment important, il faut le vivre pour recommencer. C'est vraiment compliqué. Il y a des moments où on a des gros coups de blues, mais bon, c'est la vie. Pour moi, ça me fait un épisode, ça me fait toujours rigoler. Avec mon fauteuil, je fais des wheelings. Je m'amuse quand même assez, mais c'est vraiment pas drôle tous les jours, quoi. Pour finir cette vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram, bat06270. Vous pouvez, je le répète encore, suivre sur Facebook mon producteur, Géométrique Production. Allez liker la page Ghana Scooter aussi sur Facebook, ça nous fera quand même plaisir, même si pour moi c'est la fin. Je voulais remercier tous mes proches, toute ma famille, tous les gens qui m'ont soutenu, mes anciens sponsors. Parce que grâce à vous, j'ai passé des super années, j'ai fait énormément de connaissances et j'ai vécu ma vie à fond, quoi. C'était le top. Donc protégez-vous et repoussez toujours vos limites. Il faut bien progresser et ce sport, il a de l'avenir, je vous le garantis.